Eh bien, salut à tous et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve sur WWE 2K17 pour le mode univers à la suite. Donc, on s'était arrêté à SmackDown la semaine 3 et on va passer à Raw la semaine 4. Attention, on s'approche du premier pay-per-view. Ça va être une grande fête, je le sens. Je sens que c'est le bordel, surtout hein, à Extreme Rules. On va avoir des matchs de n'importe où et tout. Je mettrai les stipulations, je sais pas encore qu'est-ce que je vais faire. Je sais qu'il y aura du Steel Cage, je sais qu'il y aura du Extreme Rules Match, c'est normal. Mais bon, on verra. Donc, alors attendez, on en est où? Donc, on va regarder où est-ce qu'on en est. Donc, on est à SmackDown, on va passer à Raw. Allez, c'est parti, tous les matchs de la soirée sont terminés. Voulez-vous passer l'événement? Oui, j'ai envie de passer l'événement. Parce qu'il faut bien, parce que sinon, on va jamais arriver à Extreme Rules. Attends, pour le titre suprême. Donc, ce que je vais vous dire, c'est que Dean Ambrose et Kevin Owens, s'ils restent champions à Extreme Rules, bon, en tout cas, les championnats vont s'inverser à Extreme Rules. Donc, l'Universal va aller à Raw et le World Champion va aller à SmackDown. On va faire comme dans la réalité, parce que c'est vrai que l'Universal, alors qu'il est rouge à SmackDown, ça fait un peu chelou. Donc, on a... Bon, attendez, je vais vous montrer les matchs qu'on va faire. Donc on va pas tout faire malheureusement parce que c'est pas des rivalités. On va faire Rusev vs Big Show. D'accord. On va faire Alberto Del Rio Finn Balor. Pourquoi ils font ça, bordel? On va faire Daniel Bryan Show pour la Hitch. Oh putain. Et c'est tout. Alors, ce que je vais vous dire, c'est qu'on va faire... Alors attendez, c'est qui le champion? C'est Dean Ambrose. Et c'est Daniel Bryan. Ok, donc on va faire une petite promotion. Comment dire, on va faire une promo. Parce que je sais qu'il y en a qui aiment bien ça. On a 3 matchs et une promo. Je peux dire qu'on est bien parti. Allez, commencez un show, c'est parti. C'est parti, WWE Monday Night Raw, feu d'artifice et la fête à Raw. Alors Chris Jericho, Sami Zayn, bah on va attendre, on va simuler. Donc c'est Chris Jericho qui a battu Sami Zayn. Stardust Boudalas, c'est Stardust qui a battu Boudalas. Et on est parti pour le match Rusev vs The Big Show. Et je rappelle que Rusev est en rivalité avec Christian pour le titre des États-Unis. Allez, c'est parti. Attention, Big Show. Rusev, il n'y a pas eu d'entrée, c'est pas grave. Oh, je contrôle Rusev, je pense que vous l'avez imaginé tout de suite. Alors, j'y ai pas eu d'entrée parce que bah, malheureusement, j'ai bugué. J'ai mal fait le truc, donc j'ai oublié de réactiver les entrées en fait. Bon, là, c'est tout con. Mais c'est pas grave, on connaît les entrées de Rusev et Big Show, hein, ça va pas nous manquer. Hop, le coup de genou dans la gueule de Big Show. Alors si Big Show gagne, bien sûr il aura un match pour le titre des États-Unis après Extreme Rules. Attention, il le balance. Oh, oh bah, putain, si t'arrives à faire ça à Big Show, c'est vraiment, t'es un génie. Alors, je vais essayer de monter sur la troisième corde. Rusev, est-ce qu'il est, on l'avait déjà vu monter sur la troisième corde? Rusev, vous rendez compte? Attention. Ah ouais, ça c'est le coup de main. Ça c'est coup de main. Coup de main à la gueule. Bon, est-ce qu'on va avoir une apparition de Christian dans le match, je ne sais pas. Oh putain, Big Show est énervé. Ah oui, là, il est très énervé. Même. Non, mais Big Show fait pas trop le malin quand même. Hein. Moi, je te dis, hein, regarde, allez, je te contre. Moi, j'en ai rien à foutre de ta vie. Hop, une claque, une petite deuxième claque. J'ai bugué, je sais. Attention, on t'amène dans la troisième corps, dans les corps, pardon. Et le. Ouh, ça doit faire mal au coucou de Nietzsche, ça. Hein. Ah, et en plus, tu contres. Voilà, là. Tiens, je te recontre. Une droite, dans la gueule, ah, un kick. Ah, j'aime bien son kick. Let's go, Big Show. Bah, regarde, le Big Show est en train de perdre, mon gars. Et je sais pas si vous avez vu, mais le Big Show, il a une longue barbe, mon gars. Oh, ah, je sais pas ce qu'il a fait là, mais il a une barbe, mon gars. Et il va bientôt se convertir. Ah, bien sûr, c'est une blague. Ah, ça, c'est le finisher de Braun Strowman. L'enforcement d'un coup comme ça. C'est le nouveau finisher de Braun Strowman. C'est bien sûr, n'a rien à voir avec un finisher. Parce que putain, mec, tout le monde le fait. Voilà. En fait, c'est con parce qu'un finisher devrait vraiment être puissant. Faut vraiment le trouver et que personne l'ait fait. Tu vois, Braun Strowman, faudrait qu'il trouve un autre finisher. Là, il est dégueulasse ce finisher. Laisse tomber, le mec. Il fait juste ça. C'est pas un finisher, excuse-moi.
il a fait ça à Dean Ambrose. Big Show, il fait la même prise que Bronson à Dean Ambrose. Je vous dis, Dean Ambrose, il va se relever. Je parle du Survivor Series, bien sûr. Bronson a fait cette prise que je vous parle. Oh putain, il a défoncé l'arbitre. Et quand on défonce l'arbitre, parce que la banque, il n'y a pas de banque dans le jeu, et ben quand on défonce l'arbitre, bim, coup de chaise. Coup de chaise. Putain, j'ai fait saigner en plus. Ah là, Moya, s'il est pas défoncé. Ah, je m'appelle plus Rusev. Attention, Rusev, une nouvelle fois sur la troisième corde. Mais c'est un taré. Donc, malheureusement, je ne vous ai pas mis la tenue personnalisée de Rusev. J'oublie un petit peu, hein, c'est la vie. Oh le bâtard, il m'a fait un power slam. C'est bien ça. Ah, il va me faire une soumission. Ah ouais, il refait ma soumission, le mec. Ah, il croit que je vais... D'accord, je vais abandonner sur ça. Attention. Et le... Oh, ah, d'accord. Attention, et le saut. Ah, ok, d'accord. Non, mais je... Comment dire? Je suis conscient de la chose. Je suis conscient. Je vais pas m'énerver tout de suite. Je pense que ça sert strictement à rien. C'est pour ça qu'on va faire le finisher de Rusev. Attention, soumission de Rusev. Ah, faut que j'y arrive, les gars. Si j'y arrive pas, je suis dans la merde. Allez, 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 plus vite, plus vite. C'est une blague, j'étais à deux doigts. Et ce jeu va me rendre gueudin, je vous assure. Dingue. Mais non, je parle en mode inverse. En plus, j'aime pas, c'est vrai. Mais ça vient comme ça en tête. Oh putain. Oh putain, il va m'énerver. Il est en train de me chauffer là, Big Show. Big Show me chauffe. Je crois que c'est mal. Si Big Show me chauffe, ça fait très mal partout. Ouais, non, mais je dis de la merde. Hein. Ne vous inquiétez pas, ça changera jamais. Hop. T'as cru que t'allais me contrer, petit connard? What? D'où il a fait ça? J'ai pas compris. Je sais pas comment il arrive à faire ça. Moi, je crois qu'il va me faire. Putain, c'est une blague! Mais c'est une blague! Pourquoi le mec il m'a pas fait son finisher normal? Attention. Oh putain. Ok, d'accord. Bon bah rentre chez toi Revonico, rentre chez toi. Non, même si j'y suis déjà. Mais je pense que perdre contre cette personne voilà. Bon, en plus j'ai envie de te dire normalement je devais gagner. Parce que regardez, il fait sa célébration en fait juste parce que Big Show a gagné. Et ça c'est complètement con. En fait, faudrait que ça fasse automatiquement si on perd, et bah qu'il n'y a pas de cinématique en fait. Oh, les regards entre les deux. Ah, mais c'est n'importe quoi, excusez-moi. Déjà, pourquoi le mec me fait le finisher à la volée? C'est dans tout le jeu, il n'y a que lui qui fait son finisher à la volée. Allez, attention, on est de retour. Neville Sting, donc on va simuler. C'est Sting qui a battu, malheureusement. Braun Strowman, donc voilà. Il y a eu Braun Strowman, la promo de Big Show Braun Strowman, pourquoi pas faire une rivalité le mois prochain. Il ne manque plus que deux matchs et on sera arrivé à terme. Donc c'est parti, Alberto Del Rio, Finn Balor, let's go. Oh, ça va commencer, ça va se fight. Attention, Finn Balor, Alberto Del Rio. Qu'est-ce qui va se passer? Ah ouais, d'accord, c'était juste pour ça, parce que ça je pouvais le faire, hein. Fallait pas faire une animation, enfin un scénario si c'est pour ça, les gars, hein. Moi je sais quand même faire, je sais quand même tabasser une personne, hein. Je tiens quand même à le dire. Attention, Finn Balor, le bâton de Rio. D'accord, c'est parti. Oh, le dropkick. Eh non, mais Finn Balor c'est un taré. Ah non, mais je crois que là, ce soir, on a un match de taré entre Finn Balor et Alberto Del Rio. Regardez, attention. Ah merde, attention. Non, d'accord. Bon, attends, on va le faire lever. Voilà. Allez, Alberto, lève-toi. T'es un héros. Attention. Ouh, putain, il s'est jeté, mon gars, Finn Balor. Si un jour Finn Balor fait ça, bah putain. Je pense que là, ils sont dans la merde tous les deux, tu vois. Hop. Coup de droite, hop, ça dégage à l'extérieur, dans le public. Ah, mais là, on va dans le public, j'en ai rien à foutre. Hop, qu'est-ce que tu vas faire, Alberto? Ouais, oh, tu vas te calmer, Jean-Luc. Allez, moi, je te le dis. Non, mais qu'on commence pas, s'il te plaît, Johnny Hallyday, ou alors Didier Deschamps, tu fais ce que tu veux. Mais je m'en bats les couilles, tu passes à travers la table. Ah d'accord, tu fais même pas depuis la troisième corde. D'accord, je pensais que c'était une prise qu'il allait se jeter à travers les troisième cornes.
Finn Balor, mais en fait c'est une prise directement sur la table. Il est passé au travers la table des commentateurs américains. Bah oui, il n'y a que des américains, il n'y a pas de russes, hein. Il n'y a pas de chinois, il n'y a rien. On verra sur Tokyo 18. Alors, merci le public d'avoir. Enfin, le public a dit This is awesome, mais sinon que dalle. Hein. Les mecs après restent silencieux, ils se rendent direct sur leur machin. Par contre, Alberto Del Rio va falloir un petit peu manier son cul. Parce que là, je vais certainement monter au niveau de la colère. Hop, dropkick dans ta gueule. Nine. Allez, tu dégages dans le poteau, Alberto Del Rio est passé. Alberto Del Rio est passé dans le poteau et vainqueur de Finn Balor par des comptes extérieurs. C'était un match très rapide, un match pourri, je tiens à vous le dire quand même. Mais bien sûr, je n'ai pas réussi. C'est pour ça que maintenant, je vais le dégommer pour me rattraper. Alors, je vais prendre une chaise. Parce que je vous rappelle que je n'ai pas fait mon finisher. Et quand on ne fait pas le finisher avec Finn Balor, bah, c'est le malaise. Allez, coup de chaise. Non, mais l'arbitre, je crois que t'as pas compris ce qui t'arrive. Ah merde, je peux pas. Je voulais taper l'arbitre, mais c'est pas grave. Voilà, on va amener Alberto Del Rio inside the ring. Donc ça veut dire dans le ring pour les Français. Même si je sais qu'il n'y a pas d'Américain. Au cas où que vous ne comprenez pas la langue anglaise. Attention, on amène, comment il s'appelle, Alberto Del Rio. Oui, je sais, je ne me rappelle pas tout le temps des prénoms. Ça va, ça passe. Donc je fais mon petit provoque pour qu'il se lève. Oka LM. Et attention. Bon, bien sûr, la personne ne veut pas se retourner comme d'habitude. Attention, le DDT sur Alberto Del Rio sur la chaise. Vous vous rendez compte, ça doit très faire mal. Ça doit faire très mal. On va rester français quand même dans les vidéos avant qu'on part en couille, parce que là, c'est pas parce que c'est mode univers que. Hein. Et le coup de grâce sur Alberto Del Rio. J'étais en train de chercher le nom de la prise. J'étais en train de me dire si c'est une prise anglaise, c'est une prise française, mais c'est une prise française. Donc coup de glace, il a appelé ça comme ça. Finn Balor, il sait parler français, je le pense. Je sais plus s'il est canadien ou un truc comme ça. Mais en tout cas, je pense qu'il sait parler français. Allez, c'est parti. On sort de ce putain de match. On va passer à un autre. Allez, après le malaise du match Finn Balor et Alberto Del Rio, c'est parti pour faire le match Daniel Bryan contre Triple H. Attention, on active les entrées cette fois-ci. Let's go. Allez, c'est parti de retour à Monday Night Raw et on accueille en premier. Il est là, le Yes Movement, Daniel Bryan, qui a gagné tous les titres à la WWE. Malheureusement, il a renoncé à sa carrière pour cause de graves blessures au cou. Yes. Yes, 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 yes. Eh ouais, Daniel Bryan, il nous manque. Pourquoi pas un dernier match, hein, Daniel Bryan, pourquoi pas. Je pense que ça sera possible, moi je vous le dis. Moi je vous le dis, je sais pas, hein, mais je sens qu'il y aura un petit dernier match. Un tout petit dernier, un minuscule. Un minuscule, petit match. Allez, c'est parti. Yes, 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 yes. Le mec devient complètement débile. Et on accueille son adversaire, le pire ennemi de Daniel Bryan. Il a battu Triple H à WrestleMania 30 et il est devenu le même soir champion. Car il a battu Batista et Randy Orton le même soir à WrestleMania 30. Je parle bien sûr de Daniel Bryan. Hein. Daniel Bryan qui a battu. La personne qui s'est fait battre par Daniel Bryan à WrestleMania 30, il est là. The game. Hunter, anciennement The Generation X, Triple H. Ils se connaissent très bien. Est-ce que Daniel Bryan va réussir à refaire le même coup de WrestleMania 30? C'est bon, on va le savoir tout de suite. Triple H. Allez, on connaît tous son entrée, cette nouvelle entrée magnifique. Merci Touquet. Là, vous avez fait une bonne chose. Daniel Bryan, Triple H, WWE Monday Night Raw. Let's go! Attention, c'est parti! Ah ouais, d'accord, ok, le jeu n'est pas. Non, mais des fois, les gars, faut le dire. Hein, parce que quand. Pourquoi Triple H ne courait pas déjà? Pourquoi il est parti à gauche? Il est là, voilà. Je comprends pas direct. Allez, les petits kicks dans la jambe de Triple H, bon, qui vient de malheureusement contrer. Oh putain, oh là, d'accord. Il nous a mis une droite, mais bien encadré, quoi. C'est.
Bon, tu fais, tu sais que entre nous, tu vas perdre. Bon, ça sert strictement à rien ce que tu fais. Ne contre pas, ça sert à rien. Moi, je te le dis. Je t'ai déjà battu une fois. Je peux très bien te battre une deuxième fois. Même une troisième fois parce que j'avais eu 203. Mais arrête de me contrer. Oh oui. Oh oui. Yes, lock. Yes, lock. Yes, lock à la volée. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, d'accord. Le truc a bugué. Je sais pas si vous avez vu. Il n'y avait aucune touche. D'accord, donc ça c'est sympa de la part du jeu. Toujours aussi stable, on peut le dire. Attention, ouh, yes. Yes. Ouh, le retournement, putain. Et c'est un bon dernier moyen, hein. Et ouais, putain, il nous manque, hein. Parce que revoir ses prises, ça ferait un petit peu du bien. Attention, tombé spécial, rebreak, malheureusement. Non mais les tombées spéciales, ils les font pas assez bien en fait. C'est pour ça qu'il y a trop de rebreak. Oh, le coup de genou, on va dire. Et qu'il l'a fait carrément retourner, on peut dire ça comme ça. Ah. Oula. Ah ouais. Ah ouais, je vais être dégommé. Hop, c'est bon, ça dégage. Attention, je te retourne, manchette à la volée. Daniel Bryan, Talen Hero, monte une nouvelle fois sur la troisième corde pour faire son fameux... Oh, attention, saut de l'ange. Oh, bien exécuté de la part de Daniel Bryan. Attention, c'est terminé, regardez, yes, yes, yes. Daniel Bryan, il est chaud. Attention, high knee de Daniel Bryan. Le high knee. C'est fini, le tombé. Oh putain, l'arbitre il allait pousser Triple H vers les cordes. 3 victoires de Daniel Bryan. Il est chaud, moi je te dis, Daniel Bryan, champion du monde. Il est chaud, Daniel, il est chaud. Oui, attention, regardez. Yes. Ah oula, oula, attention, il y a Dean Ambrose. Il y a Dean Ambrose, le champion. Est-ce qu'il le sera encore Extreme Rules? Bon, on le saura bientôt. Oh, Dean Ambrose avance. Regardez, oula, il va faire le mariole. Tu vas voir. Tu vas voir, Extreme Rules, il va se prendre une raclée. Non, je sais pas, mais je sais pas. On vous verrez qui va gagner les champions. J'ai peut-être une idée en tête. Oh, quelle belle image. C'est une belle image, moi je vous le dis. Alors, c'est ce dimanche en plus. C'est ce dimanche, Extreme Rules. Enfin, ce dimanche, voilà, vous m'avez compris. C'est pas ce dimanche réellement, mais ça arrive bientôt. C'est pour ça qu'il y a cette petite animation qui est vraiment bien sympa. Allez, c'est parti, on va voir les news avant la fin de cette vidéo. Donc, les trois dernières news. Donc, Daniel Bryan a pris un sérieux avantage grâce à cette victoire quelques jours avant son match pour le titre contre Dean Ambrose. Cependant, le champion est monté sur le ring, toisant son adversaire et attisant l'intérêt de l'univers de la WWE. Donc, ça risque d'être vraiment chaud entre Daniel Bryan et Dean Ambrose. Ensuite, Finn Balor a attaqué Alberto Del Rio en représailles des actions de son rival de la semaine passée. Et enfin, le challenger Christian a adressé un message fort au champion Rusev en annonçant la fin de son règne. En tout cas, c'est ce qu'on verra ce dimanche à Extreme Rules. On y est bientôt, plus qu'une vidéo de SmackDown et on est directement à Extreme Rules pour 6 matchs de folie à Extreme Rules. Vous allez voir, c'est un truc de taille. Donc moi je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un like, n'hésite pas à t'abonner et n'hésite pas à partager, c'est plus important. Et moi je vous dis à la fois prochaine, allez, ciao tout le monde.